Et bonjour, bonsoir, au revoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va faire une double vidéo en une, c'est-à-dire qu'on va faire une vidéo ouverture PCA. Donc, on va voir ce qu'on a reçu comme note de ce que j'ai envoyé chez PCA. Et donc, vous ne savez pas ce que j'ai envoyé, vous allez le découvrir avec moi. Et ensuite, on ouvrira une petite box destinée radieuse. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai déjà ouvert le sachet parce que je ne savais pas du tout ce que j'avais reçu. Au final, je me suis rendu compte que c'était PCA. Ils m'ont donné, ils m'ont rendu bien sûr les top loaders et les sleeves. Et ils m'ont envoyé ce petit carton que je vais ouvrir avec vous. Alors, hop. Ah ben, on commence tout de suite. Alors non, 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 on commence pas tout de suite avec ça, c'est impossible. Ça, c'est la carte clé et je veux pas voir sa note tout de suite. Alors, là, comme vous le savez, du coup, le petit Mew, et par contre, j'ai jamais fait d'ouverture, donc j'espère que je me trompe pas. Voilà, on est bien là. Voilà, la Mew promo, magnifique carte qui est magnifique, hein, qui est, je l'ai ouverte en fait, elle était sortie du scellé. Donc super. On va voir tout de suite la note. J'espère avoir au moins un 9. Oh là 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 là, les amis! Punaise! Punaise, on a un 10, quoi! On a un 10. Ça commence très 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 fort. Ouh! Cette carte, bah franchement, je sais pas encore si je vais la garder. Mais ça me fait extrêmement plaisir. Alors, on passe à la suite. Le Pikachu VMAX, le fameux El Famoso. J'espère avoir un 9 minimum, encore une fois. 9,5. Très, très, très bien. Je suis très content. Super. Franchement. Bah, franchement, merci PCA pour le moment. Franchement, merci. Il me régale. On continue. Alors, allez, je parie sur un petit Raikou. Ah, Lugia Brillant. Alors, Lugia Brillant, j'ai un peu peur. Je vais pas vous mentir. J'ai un petit peu peur. Je pense à un 8,5 ou un 8. Mais bon, qui sait, un 8. Ouais, voilà. Bon, j'avais raison. Proche du 9. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Elle était un peu abîmée et tout ça. Donc, oula. Non, c'est bon, c'était une saleté. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Bon, c'est quand même cool. Par contre, j'avais envoyé un peu plus de cartes que ça, non? Alors, j'ai un petit souci du coup. Hop. Alors, hop. Le Raikou, amazing. Encore une saleté, ça fait flipper, hein. Hop, ouais, c'est bon. Raikou, amazing, voltage éclatant, superbe carte. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui recevait cette carte avec des notes pas ouf. Quand je dis pas ouf, ben, par exemple, pour moi, elle est sortie de booster, hein, clairement. Donc pour moi, c'est un 10. Mais j'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui disait que cette carte-là était impossible à avoir en 10. Et que tout le monde l'avait en 9. Je pense même pas à 9,5, hein, vraiment 9. Donc je m'attends à un 9. Et c'est un 9, voilà. C'est logique, hein. Du coup, c'est logique. Mais bon. Mais c'est cool. Ça reste très cool. Là, les amis. Là, je suis en train de flipper. Clairement, je flippe. Voilà. Voilà, les amis. Dracaufeu VMAX Shiny, version japonaise. Et on a un 9,5. Un 9,5, c'est très très bien. C'est très 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 bien. J'espérais un 10, hein. Au fond de moi, j'espérais un 10, mais un 9,5, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais quand même le faire parce que bah, voilà, il y a des cartes où il faut le faire. Cette carte, elle a une cote. Sa cote actuelle, si on regarde sur eBay et tout ça, on est pour un 9, un PCA 9. Je parle bien de PCA, hein, en japonais. PCA 9, on est sur du 500 euros. Je suis sur un 9,5. Je pense qu'on est sur du 600, 700 euros actuellement. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une pièce quand même assez importante. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo destinée au culte, ouverture, avec ces magnifiques cartes qui font
extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve dans quelques secondes. Et re de nouveau, du coup, avec la petite boxed, pourquoi pas. La petite box destinée au culte. On va se faire plaisir, on va l'ouvrir. Bon, cette vidéo, elle sortira pas avant un petit temps. Sachez que je suis un peu en avance. Mais bon. Alors, comme les choses, elles ont évolué, hein, j'ai réussi à choper certaines cartes. Ce qui fait que je ne les recherche plus. Mais du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que je recherche. Hop. On va aller directement à la fin. Alors, ce qui serait sympa, c'est que j'ai un dresseur, déjà. Peu importe lequel. Ça me ferait plaisir. Ensuite, il me faut il me faut la Mentally Shiny, la Nymphalie. Je serais déjà content, honnêtement. Là-dedans, bah, le haut, le Dracaufeu, forcément, le Mewtwo. Le Mewtwo, je pense que ça serait vraiment le top du top. La Philalie. Alors, mais par contre, ce que je recherche et qui est plus facile, c'est la Evoli Shiny. La Salamèche, j'ai réussi à la choper. Et du coup, donc il y a Evoli et il me reste Reptincelle à choper, tout simplement. Juste celle-là, ce serait le feu, honnêtement. Donc on ne va pas perdre plus de temps. Hop. Alors, les fameux boosters qu'on va mettre juste ici. La petite carte promo, elle est où? Ah, ah, ah. Et ben voilà. Et ben voilà, les amis. Attendez, je vais quand même vérifier. Hein. Ouais. Donc, voilà, on fait partie. Donc, j'ai eu quand même pas mal de coffrets. Hein. Et donc là, il nous manque la fameuse carte promotionnelle. Je suis un peu dégoûté. Bon, j'en ai une, donc ça va. Mais bon, par contre, pas plus de boosters que d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 10. 10, 10, mais bon. Ouais, bon, bah, Pokémon, va falloir faire, falloir réfléchir. Hein. Faire un peu le bon boulot, s'il vous plaît. Ce serait mieux. Là, je suis un peu deg. Mais bon, on va faire sans. Hein. Allez, Mewtwo, rapporte-nous du très très sale. J'espère avoir un très très beau ratio encore une fois. Même si cette fois, j'ai pas eu de carte promotionnelle. Ça me ferait quand même plaisir d'avoir des belles, très 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 belles cartes. Hop, je vais vous donner quelques codes promo cette fois. Cadeau à vos cadeaux. 1, 2, 3, 4. Alors, énergie, feu. Feuille. J'étais pas loin. Feuille. Alors, du coup, énergie, feuille. Arène d'argent à deux pierres. Le Vénard. Très jolie carte. Gravalanche. Racaillou. Pikachu. Mélofée. Osley. Très jolie. Très très jolie carte. Rondoudou. Ça, c'est parfait. C'est une commune. Hein. C'est une commune, mais c'est une Evoli. Et ça, ça me fait plaisir. Donc, c'est cool. Et on commence pas terrible. On commence vraiment pas terrible. Avec la dernière chance d'Auguste. Je sais pas si c'est vraiment de la chance d'avoir cette dernière chance. Mais bon. Allez, on continue. Les petits oiseaux qui vont peut-être me rapporter des gros oiseaux. Alors par contre, autant il y a certains boosters, je trouve qu'ils sont tellement simples, autant il y en a d'autres, franchement. Ah ben lui, ouais, lui carrément, c'est collé à la glue. Hop, donc, bah ça, ce sera, vu l'état dans lequel il y a le booster, ce sera à jeter. Hop, c'est cadeau. Énergie, oh, je pense. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bon. Lipoutou, Magmar, Canard Tichot, Psychoquack, Mélofée, Magikarp,
Abo. Alors, on en est où là? Voltorb. Encore une river simple. Suggestion de Morgane. Et hospitalité d'Erika. Alors, c'est. Pour l'instant, ça me fait un peu peur. Alors, j'espère avoir. Avoir de la chance pour la suite. Hop, on va remettre le truc en place. Tac, bon. 2 sur 10 pour l'instant. Booster pas terrible. Hop. Oh non. Je l'ai bien ouvert. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Je le garde ce booster là. Hop. Énergie métal, détermination d'Ondine. Je ferai bientôt, je pense, une vidéo avec mes avis sur les prochains jeux vidéo. Donc notamment Diamant et Perle, avec mon avis, le trailer et surtout le prochain jeu Arceus, Légende d'Arceus, je pense. Smogo. Oh, on a quelque chose. On a quelque chose. Je l'ai vu. Oh, Sylvalier GX. Et Staros GX, c'est parfait ça. Bon, c'est cool. J'adore, j'adore quand je tombe sur des cartes intéressantes. Voilà. Ah bah ça. Ça, vous voyez, là je me pose la question, est-ce que je revendrai pas? Parce que c'est pas mon Pokémon. Voilà. C'est pas mon Pokémon qui me fait rêver. Donc c'est soit ça part à la revente, soit ça part chez PCA. On verra. La Staros GX, elle est magnifique. Je l'avais jamais vue. C'est bizarre justement que je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai jamais vue à la vente avant. Enfin, du coup, je ne la verrai pas à la vente. Hein, parce que celle-là, elle ne partira pas à la vente. Elle est très très jolie. Mais ça y est, on commence enfin à faire un peu du sale. Et ça, Monsieur Sale, ça lui fait plaisir. Ça lui fait extrêmement plaisir. Allez, le Mewtwo. Ça tombe, il va nous annoncer un beau Mewtwo GX. Mewtwo GX. Ouais, si, Mewtwo GX, je serais content aussi. Hein. Mais Mewtwo Shiny. Voilà quoi. Hein. On va pas se mentir. Un petit Mewtwo GX. Ce serait un grand, 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 grand plaisir de l'accueillir dans la famille. Dans la famille de Monsieur Kevla. Énergie, feu. Oh là 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 là. Eh les amis, je sais pas si c'est mon jour de chance, mais je suis chaud. Arène d'Argenta de Pierre. Oula, je vais trop vite. Stratégie, Dieu Major Bob. Ramolos. Mélofée. Smogo. Voltorb. Ocelet. Un sécateur en reverse que j'ai déjà. Et Monsieur Mime en rare. Bon. Après, on va pas se mentir. Hein, pour l'instant. On a un ratio qui est positif. Pour le moment, on a un ratio largement positif. En espérant vraiment, ce serait bien de faire éclater le quota là, sur cette vidéo. Vraiment avoir un quota exceptionnel. Oh là là. Hop. Hop. Ça dégage du coup, malheureusement. C'est cadeau, comme d'hab. 1, 2, 3, 4. Allez, hein. Bon, énergie électrique. C'est incroyable. Oh là là, petit accident. My bad. J'arrive tout de suite. Et la lumière qui s'est éteinte. Bon, c'est pas trop grave, hein. On a quand même pas mal de lumière. Le Vénard. Exil de Giovanni. Chenipan, attendez. Chenipan, du coup. Paras. Psychoquack. Salamèche, magnifique carte. On va la garder sur le côté. Magikarp, Katagami en shiny que j'ai déjà et Melodelph en rare. Donc celle-là, elle partira à la vente en sachant que c'est pas une des cartes que je recherche, hein, mais bon, on va pas se plaindre d'avoir une shiny quand même. Hop, le d'ailleurs, hein, je vais quand même, c'est pas parce que je suis pas ultra fan de la carte qu'on va pas la protéger. Oh là. Pas évident avec la vie de la caméra. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, elle est protégée. Ça partira sûrement
dans une vente prochaine. Hein. Allez, allez pépère. On va essayer de pas spoil, ça serait con. Cadeau. Il faudra que je les jette. 2, 3, 4. Hop. Énergie feu. Crise acier. Suggestion de Morgane. Reptincelle. Mélofée. Rondoudou. Chenipan. Evoli. Abo, on est sur une river simple, Gravalanche et l'eau classe. Alors, pour le moment, on est sur... Il nous reste 4 boosters. On a déjà eu 3. Je pense qu'on peut avoir encore une belle carte. Une ou deux belles cartes et ça s'arrêtera là. Donc, sur les 4 boosters, il me reste 2 beaux boosters normalement. Est-ce que ce sera toi, Mew? Le petit Mew, peut-être. J'ai un souci de caméra là par contre, ça va pas du tout, ça me plaît pas ça. Voilà, là on est mieux. On continue, du coup on était sur le booster Mew. Tac. 1, 2, 3, 4. Allez, une belle carte. Ça ferait plaisir. Arène d'Argenta de Pierre. Je pensais qu'elle est abîmée mais non. Crise acier, exil de Joe. Smogo, Osselet, Racaillou, oula, je vais trop vite, Ramolos, oh, j'ai quelque chose en plus, Mélofée, Sepia Top, c'est cool, une Shiny, et en plus on a quelque chose derrière, et Mewtwo GX, c'est trop cool. Alors, je pense que là, le quota est dépassé, donc je pense pas qu'on aura quelque chose d'autre dans les 3 autres boosters. Mais qui sait, peut-être qu'on a vraiment de la chance. Ça me ferait bien plaisir. Hop. Voilà. Pour PCA, je me posais la question, je vais sûrement renvoyer. Hein. Comme vous avez pu le savoir, il y a eu un petit accident au niveau du réseau. Enfin, c'est pas chez eux, du coup, c'est OVH qui a eu un incendie. Sur un site, sur un serveur en gros. Mais bon, on espère que il n'y aura pas trop de casse, notamment chez nos amis, hein, ceux qui ont envoyé chez PCA. Je sais pas comment ça marche, les sauvegardes, les noms et tout ça. J'espère qu'ils ont une très très bonne organisation pour éviter qu'il y ait des gens qui soient touchés et qu'il y ait des problématiques. Qui ait des problématiques sur leur carte ou qu'ils ne reçoivent jamais. Énergie électrique, magnifique. Détermination d'origine, Dame du centre Pokémon, Abo, Smogo, Osselet, Racaillou, Ramolos, Exil de Giovanni et Evoli. Oh, je suis content. C'est cool. Evoli en holo, qui est magnifique d'ailleurs. Et je ne l'ai jamais eu. Et ça, vous voyez, ça, c'est une très très belle carte. Parce qu'on la voit pas. Je la vois quasi jamais. Malgré que ce soit une simple holo, hein, ça reste un Evoli. Et les Evoli, ça fait le plaisir. Est-ce qu'on se garde pas le Dracaufeu pour la fin, honnêtement? Dites-moi, les amis. Dites-moi en commentaire. On garde le Dracaufeu pour la fin ou pas? Allez. En espérant que je me trompe pas. Qu'on ait du très très lourd à la fin. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas. Hein, je le dis jamais en fait, mais n'hésitez pas à liker, commenter, pour que je sache un peu si ça plaît ou pas. Je commence à avoir de plus en plus de commentaires, de likes sur les vidéos Pokémon. Et du coup, je suis un peu en train de réfléchir sur ma chaîne. Je pense que je vais arrêter le jeu vidéo.
Le jeu vidéo, ça va rester sur Twitch. Et puis sur cette chaîne-là, ça sera davantage Pokémon, les trailers de jeux vidéo. Donc on restera un peu dans le gaming quand même. Et les séries et les films, tout simplement. Stratégie de Major Bob, piège de Koga, Magikarp, Starry, Voltorb. Très jolie illustration d'ailleurs. Pikachu! Rondoudou, on est sur une commune Abo et Scarabrut GX, ce qui est non négligeable, on va dire. Voilà. C'est pas la carte de l'année, ça c'est sûr. Mais ça fait plaisir d'avoir des jolies cartes. Surtout que je pense qu'on a explosé le ratio en fait. Je pense qu'on a explosé le ratio. On attend le dernier booster, mais honnêtement, normalement, il n'y a rien du tout dans ce booster. Sinon, le ratio sera éclaté de cette box. En sachant que je n'ai pas eu la carte promotionnelle. J'enverrai un petit message. D'ailleurs, hein, ouais, j'enverrai un petit message à Pokémon pour préciser hein, où est-ce qu'elle est cette carte promotionnelle. Que je la veux. On verra s'ils répondent. Hop. Énergie feuille. Cravalanche. Canardichaud. Normalement, on n'aura rien. Hein. Starry, Voltorb, Pikachu, Rondoudou, Abo, Para en reverse et Papillusion. Donc voilà, comme prévu, on n'a pas vraiment tout ce qu'on voulait. Enfin, on n'a pas vraiment tout ce qu'on voulait. Si, on a eu beaucoup, beaucoup de choses. Mais on n'a pas eu, malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on désirait par-dessus tout. Il me reste une TB. Je n'ouvrirai pas pour le moment. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, hein. Honnêtement, si là on peut pas dire que j'ai été gâté, ah si quand même. Franchement, rien que pour celle-là, je suis vraiment content. C'est Piatop, elle est mignonne aussi en vrai. Bah, elle, je peux pas. Ouais. Ouais, non, mais en vrai, j'ai vraiment eu des jolies cartes, donc je suis content. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao ciao et bang bangs.